Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et ce soir, aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, eh bien, on va causer météo du réseau. Alors derrière cette grande phrase, l'idée, c'est de mettre en place un système qui s'appelle une WeatherMap, donc une carte de météo, typiquement. Et cette carte de météo vise à justement voir ce qui se passe au niveau du réseau. Voilou. Et avant d'aller plus loin dans les explications, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer le plan du Home Lab. Et puis... donc le plan du Home Lab, et puis ensuite il y aura petit rappel sur LibreNMS, qui est la solution de métrologie réseau que j'utilise, et cette solution justement a un plugin WeatherMap qui va permettre d'avoir entre guillemets des informations sur l'encombrement de ce réseau. Alors déjà le schéma du réseau, du Home Lab, comme d'habitude, que j'oublie toujours d'ouvrir. Ou alors quand je l'ouvre avant le stream, eh ben, j'en ai pas besoin. Alors, hop, le Home Lab. Et ensuite, on va basculer sur hop, cette vue-là. Donc, petit rappel, moi j'ai un Home Lab virtuel qui contient plein de sous-réseaux, comme on peut le voir ici. Et aujourd'hui, il y a une machine qui est quelque part dans ce réseau-là, sur laquelle il y a un LibreNMS d'installé. Et ce logiciel LibreNMS va... grâce au protocole SNMP, va, j'ai envie de dire, s'enquérir de la santé et de l'état des liens réseau d'un certain nombre de machines, comme ce firewall-là, le firewall ici à gauche, et les machines sur lesquelles là, il y a écrit BGP, tous les routeurs, les 6. Si je me connecte à ce LibreNMS, qui est ici, on peut voir ici tous les routeurs, les 6, et je peux aussi vous montrer les de firewall. Si je reviens sur les routeurs et que je montre par exemple celui-ci, on peut voir ces graphes. Alors bien entendu, les graphes sont, les graphes sont de temps en temps coupés pour une raison très simple, c'est que ce Home Lab ne tourne pas H24, donc par moment il était tout simplement éteint. Donc là on peut voir l'utilisation de processeurs du routeur virtuel. Là on a un graphe qui est assez sympa qui s'appelle Overall Traffic. Et qui permet en fait de voir juste de façon générale le trafic réseau sur l'ensemble des interfaces de la machine. Et cette machine a actuellement 1, 2, 3, 4 interfaces réseau, plus la loopback. Alors on a des informations sur tout le système, hein, des trucs comme la mémoire, comme le stockage. Je ne vais pas, rentrer exactement dans le détail. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le réseau. Et hop, on va aller au niveau des ports. Et là, on peut voir en fait qu'on a des informations de trafic. Et c'est ça en fait qui va nous intéresser, c'est de voir à quel moment nos ports réseau risquent de saturer en fait. Et le système de WeatherMap permet de voir cela. Je vais en profiter pour jeter un œil. Est-ce que j'ai des alertes? Non, tout va bien. Pas de notification, parfait. Alors pour le moment, l'overview dashboard, est-ce qu'il y a un truc qui a été fait par défaut par LibreNMS? Non, il n'y a rien. Hop. Voilà, j'ai juste tous mes périphériques ici. Alors, voyons voir. Alors bien entendu, je suis complètement à l'arrache. Hop là, et a priori, alors ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais montrer ce qu'on voudrait obtenir sur le plan visuel. Et ça, ça a l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal, mais alors. En gros, hop, sur un moteur de recherche, quand on tape WeatherMap, voilà ce qu'on peut obtenir. Voilà, donc on va avoir des choses comme ça. Alors, voilà, c'est plutôt un truc comme ça que je... Alors, peut-être pas aussi... on va voir si c'est aussi fourni de mon côté. Mais en gros, on peut voir qu'il y a donc un code couleur qui va de vert, qui fait vert, jaune, orange, rouge, et qui va en fait indiquer l'occupation, l'occupation du réseau sur les différents liens. Donc on voit ici sur cette machine-là, entre node 1, c'est ça? Hop, node 1 et un truc qui s'appelle sw81.ray. Bon bah c'est blanc, voire un peu vert, donc c'est pas occupé du tout. Et puis ensuite, on peut voir que là on a un truc, un EQ01. On voit que si on remonte là comme ça jusqu'à le SW82.RAI, il y a déjà un petit peu de trafic qui a priori est d'environ 24 mégas dans un sens et 127 mégabits par seconde d'occupation entre guillemets constante. Voilà, voilà. Donc là, pour le moment, on voit que des trucs qui sont plutôt verts, ce qui est plutôt bon signe, en tout cas pour la personne qui a partagé cette image-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'air un petit peu plus rouges ou quoi que ce soit? Là, il y a des trucs, je sais pas ce que ça donnerait, mais... Ah, ça, je pense que c'est quelqu'un qui aime pas qu'on fasse du hotlinking d'images. Si je reclique dessus... Voilà. Et donc là, ce qui est amusant, c'est que, voilà, alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment un autre code couleur. Et bon, bien entendu, généralement, quand ça vire au rouge, c'est plutôt mauvais signe. Et là, d'y avoir un petit peu plus de trafic, là, ou pas, sur celui-ci. 49 mégas par ici. Voilà, il y a des trucs qui sont en kilos, des fois, c'est marrant. C'est marrant. Là, on est à 10 mégas. Ah, il y a des trucs quand même là à 400 mégas. Du transit. Ah oui, la 96-31. Ici, on est à 130 d'un côté, 20 de l'autre. Bref, voilà en gros le genre de... j'ai envie de dire visuellement le genre de choses qu'on souhaite obtenir. Alors. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'en fait, c'est parfaitement documenté chez LibreNMS pour installer une WeatherMap. Donc ben, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le tuto, gentiment, tranquillement, et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est que, bien entendu, pour le suivi, si ça vous arrange, hop, voici sur le chat le lien vers la documentation LibreNMS que je vais suivre, que je poste aussi dans le canal, les liens du live, sur le Discord de la chaîne, que vous pouvez retrouver par là, ou alors en dessous dans les liens si jamais vous regardez sur YouTube. Bien entendu, le Discord est ouvert, classique. Alors, donc a priori, il faut installer le plugin LibreNMS, et pour le récupérer, eh ben allons-y. Alors ce que je vais peut-être faire, pour me faciliter la tâche, c'est qu'on va faire ici doc.librenms.org/extension avec un E majuscule WeatherMap. Voilà. Alors, donc il faudrait installer Network WeatherMap d'abord ou prérequis Network WeatherMap requires PHP peer to work. Alors, on va laisser se connecter du coup sur la machine qui tient le LibreNMS. Hop. Et la machine en question, hop, qui était website-librenms. Alors, je me connecte sur la console locale. Et je crois que... Non. Ah, si. Hop. Ici, elle a 10, 13, 37, 13. Ok. Hop. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'ai lancé deux fois le... Hop. Et on va se mettre sur un terminal un peu plus gros pour que tout le monde puisse voir. Allons-y. Je crois que j'ai activé la connexion route 37.13. Ah, il veut pas la connexion route en direct. Alors j'ai peut-être créé un utilisateur Nils. Vu que j'y touche pas souvent. Oui. Parfait. Alors. Il nous faut PHP pire. Alors. PHP Common, PHP Composer, PSR, React. A priori, non. Allons-y. PHP pire. Bon, bah allons-y, hein. Hop. Ensuite, donc on va extraire dans hop, slash opt LibreNMS HTML plugins, le plugin. Ok, donc on va aller dans ce répertoire là et ensuite on va cloner le repo. Donc pour le moment, il n'y a rien. On dit clone. Voilà. Et on a ensuite notre plugin WeatherMap. Ok, cool. Il faudrait que le fichier... Là, oui, d'accord. Il faut penser à changer les droits. Effectivement, sinon on ne va pas pouvoir écrire dedans. Puisqu'il va écrire, il va vouloir écrire des informations, je suppose. D'accord, il veut que ce soit... que l'utilisateur, le groupe LibreNMS, puisse y écrire dedans. Alors, je n'utilise pas SELinux vu que je suis là, je suis sur une Debian. Et ensuite, on a un ajout dans la comptable. Alors, donc la comptable. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Et donc, a priori, on a tous les trucs de maintenance et de polling régulier de LibreNMS qui sont ici. Et je vais pouvoir tout de suite rajouter... non, pas ça. Hop. On rajoute la WeatherMap. Et ensuite, ah d'accord, le plugin ne s'active pas tout seul, tant mieux d'ailleurs. Ils disent où? Overview plugin. Alors, overview... Ah, c'est peut-être dans l'admin. Ah, overview plugin. Plugin admin. Hop, bon, on revient. Voilà. Donc on va activer WeatherMap. Voilà. Et ensuite, maintenant il doit y avoir WeatherMap Overview Plugin WeatherMap. Alors, Overview Plugin. Ouais, on a WeatherMap. Ok. Et ensuite, on a un éditeur. Donc, je suppose que à partir de là, ça doit être relativement simple. Donc maintenant, on peut créer nos maps. Alors, création map. Please note that when you create a map, please click map style, ensure overlay is selected for HTML. Alors, on accède à l'éditeur. On va l'appeler Another, hop, another weather map. Parce que j'ai vraiment pas de créativité ce soir. Alors. Donc là, j'en crée une nouvelle. Ah, ils doivent... Ah oui, d'accord. Point conf. Voilà. Et ensuite, ils parlent de style, c'est ça? Hop. Map style. Alors. Map style. Ensure overlay be selected for HTML. Ok. Ok. Donc, supposons que j'ajoute un premier nœud. Ici. Icône. Ah, voilà, on a plein d'icônes. C'est plutôt sympa. Salut Gizmo. Ah bah je suis rassuré que tu sois là, c'est quand même pour toi à la base. Hein, enfin pour moi aussi, hein, ça m'intéresse. Bon, alors comme je vais vouloir sans doute regarder comment mes routeurs sont, ont du trafic les uns avec les autres, je vais sans doute essayer de trouver une image de routeur. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Images, oui, bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Firewall, HP Mini, Host, pas... Ah, routeur, voilà. Internal name, bah, je vais l'appeler routeur 0-ISP1. Label, ce sera pareil. Et overgraph URL, host. C'est celui-là. Ok. Et donc, je fais submit. Hop. Oui, j'ai fait l'install du plugin WeatherMap dans LibreNMS, ouais, dans les 20 premières minutes, tout à fait. Tout à fait. Je me suis simplement contenté de suivre le tutoriel qui est ici, sur la doc, et dont le lien est disponible un peu plus haut dans le chat, ou bien entendu sur le Discord. Et ben on va rajouter un deuxième node. Hop. On va le mettre ici. Si je reprends mon schéma, parce qu'à la limite, je vais vouloir copier un peu le style de mon schéma. Hein. Hop. Donc ici, j'ai mon ISP, mon routeur 0 ISP1. Et en face, ah, j'ai l'ISP4, ISP2. Là, j'ai ISP3. Allez, je vais commencer avec ISP3. Donc on va l'appeler routeur 0-ISP3. Voilà. Et ce sera donc 10.3.1.1. Et le host, j'ai oublié. Hop, là, on recommence. Host, c'est le 10.3.1. Hop. Voilà. Ah mais du coup il me met pas le... Ah ouais, le label. C'est ça, le routeur 0-ISP3. Hop. Et en icône, routeur. Qui donc est là. Hop. Submit. Voilà. Lui on va le rééditer. On submit. Voilà. Et du coup on va le bouger et on va le mettre là. Non, on peut pas. On peut pas. Move. Et on le met, on va le mettre comme ça. D'accord, je comprends un peu mieux comment ça bouge. Si je rajoute encore un node, qu'on va mettre ici, hop, et qui va donc être en label ISP2, c'est vachement pixelisé sur le retour de... Ah. Alors, si jamais je zoome, est-ce que c'est mieux ? Hop, Voilà. Alors. Tu me dis si c'est mieux, Gizmo? Mieux? Ah, super. Allez. Donc le 10.2, hop. Voilà. Avec une icône de type routeur. Submit. Voilà. Bon, déjà là, bon, j'en ai 3. On va essayer comme ça. C'est pas ultra joli, ils sont même pas à la même hauteur, là, les deux routeurs. On verra. On essaiera ensuite de gérer un petit peu mieux. Maintenant, si j'ajoute un link, alors... Si je fais add link, qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, je vais peut-être déjà essayer de sauvegarder mon truc, non ? Est-ce que j'ai moyen de sauvegarder mon truc ? Parce que là, déjà, j'ai créé 3 routeurs. Ils disent comment ça se passe une fois que c'est... Hop. Alors... Il faudrait utiliser le folder... Alors... Editor settings. Non. Oh là, non, 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 je reviens en arrière. Ah, donc je clique sur le premier node, ok. Ah oui, ça c'était le premier node, qui va donc de routeur 0 ISP1 vers le ISP2, je suppose, mais pourquoi il m'a fait... Cancel. Parce que là, si je clique... Bon, il m'a un peu perdu quand même, là, le Weathermap. Donc si je fais add link, non, rien, toujours rien. Properties. Ok. Donc par défaut, les liens ont... D'accord, ok, c'est cool. Bon. Map file, ok, action. Ouais, ok, soit. Donc il y a un fichier de configuration, ok, c'est cool. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est comment est-ce que ensuite j'enregistre ça et que je set an output image file name, output HTML file name dans map properties. Map properties. Ok. Output. D'accord, c'est ici en fait. Hop. Output slash. Ok. Bon, on va faire ça, tiens. Hein. Hop, on va pas s'embêter la vie. Voilà. Et là. HTML et je submit. Ok. Alors la question que je me pose, c'est si je vais dans un nouvel onglet et que je me connecte et que bon, je vais faire ça. Ah. Hop. Donc là j'ai ma weather map. 404 not found. Ok. Donc pour le moment, en fait, je l'ai peut-être même pas enregistré dans l'immédiat. Ah tiens, on peut automatiquement générer la weather map depuis la base de données LibreNMS en utilisant un truc qui s'appelle Weathermapper. Ça a l'air sympa, ça. Je me prends peut-être la tête pour rien, en fait. En ceci étant, sur le principe, j'aurais aimé... pouvoir voir comment je... Parce que là, pour le moment... C'est quoi ce truc Weathermapper? Ils expliquent là-dedans comment l'installer en plus, je suppose. Ah non, adding your network weathermap to the dashboard. Oui. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je pense que je vais me laisser tenter par le plugin qui génère automatiquement les choses. Alors, il y a des exemples a priori, enfin des exemples de ce qui peut être fait. Oula. Ah oui. Alors ça se tente, hein. Au pire je peux en recréer une autre à la main peut-être plus tard. Allez, on va le tenter. Alors, a priori on va se contenter de à nouveau git clone. Hein. En tant que IT, être fainéant, ouais. Effectivement, allons-y. Bon, donc, je suis allé dans slash opt, j'ai cloné le repo. Donc maintenant, j'ai mon weathermapper qui est là. Verify settings are correct in weathermapper.conf.php. Optionnel, LibreNMS plugin. Ah bah tiens, je vais me gêner. Hop. The directory is on. Ah. Alors on va aller là-dedans. Oups là. Voilà, donc là je suis à nouveau dans le répertoire des plugins. Et puis on va refaire le chown. Bah tiens, il est au-dessus ici. Hop. Mais cette fois-ci on va le mettre dans Weathermapper. Hop. Donc normalement si je reviens ici. Hop. Comment ça forbidden? On va revenir ici. Overview, plugin, plugin admin, et j'ai Weathermapper qu'on va activer. Hop, et maintenant, Weathermapper, il est là. Ah, génial! J'ai donc le répertoire d'installation, must be. Ah, donc il va falloir que j'aille à nouveau modifier les droits, puisque lorsque j'étais. À ce niveau-là, Weathermapper, je l'ai laissé, en propriétaire root. Et donc, a priori, il faut que ce soit en écriture par LibreNMS. Parce que si je me rappelle bien, on a installé slash etc. PHP, t'es où ? Bah, de toute façon, ça va être simple. Hein. Donc a priori voilà, j'avais installé PHP en FPM, donc l'utilisateur PHP, ça va être 7.4, dans FPM, dans pool.d, je dois avoir, j'ai un LibreNMS, et il doit tourner avec l'utilisateur et le groupe LibreNMS. Donc si je veux que PHP puisse aller lire et écrire dans opt Weathermapper, allons-y, c'est reparti pour un shown. Hop. Sauf que cette fois-ci, c'est avec un petit W. Voilà. Et oui, Xavier, j'ai un stream le samedi. C'est exceptionnel, hein. C'est un hors-série. Weathermap name. WeatherMap. Voilà. Le design, tiens, on va faire left to right. On va laisser ça. Hostname regex. Ouais, on va le laisser comme ça. Allez, crée-moi la weather map. Please fill out all fields. What? Là, tout va bien. Là, je suis. Pourtant, je suis bon là. Ok. Alors. Ah, faudrait que je relance le truc. Bah non. Est-ce qu'il y a un truc du genre troubleshooting issues. Alors. Ah, zoom, pardon. Excusez-moi. Hop là. Donc là, dans les issues, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Et le souci que j'ai ici, dans le formulaire, donc je suis bien dans slash opt slash weathermapper. J'ai bien slash opt slash weathermapper, ouais. Donc ça, j'ai mis un nom. Ah, je vais peut-être le mettre en... Voilà, sans les... Moi, je vais vous le faire en left to right. Ça, c'est rentré. Postname regex. On va faire groupe. Ouais, il me répond encore. Please fill out all fields. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il manque comme champ? Je vais finir par vraiment la faire à la main, cette weather map, en fait. Si je suis le truc... Ah, faut créer un... Ouais bah non, normalement j'ai le plugin LibreNMS. Alors, play with values in grid opt to see the effect of nos auto et layout target. Ouais, ok. Ok, donc ça c'était ma conf à moi. Oui, bien sûr, Xavier, je stream quand même demain. Bien sûr. C'est bizarre cette affaire. Oh, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que il a les droits? Est-ce qu'il a vraiment le droit d'aller écrire dedans? Si je descends là... Est-ce qu'on lui aurait genre... Non. Ah non, 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 a priori on n'a pas dit à PHP t'as le droit d'écrire qu'à certains endroits. Donc a priori il peut... D'ailleurs je trouve ça pas très cool. Ah, à moins que dans la conf Apache il y ait quelque chose. Je vais aller regarder les logs après. Hein. Comment ça, conf available, il y a juste ça. Hop là, alors. Donc ça c'est... Bon, ça c'est la conf. Ça c'est la conf pour dire utilise PHP-FPM. Ah, mais attends, j'aurais pas mis un Nginx. Si, j'ai mis un Nginx. Conf.b peut-être. Écho là-dedans, rien. Donc site enabled. Le VS LibreNMS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas grand-chose. Remarque, il y a peut-être les logs quelque part. Non? Non, j'ai pas redirigé les logs. Donc, var log nginx. Hop. J'ai quoi dans l'error log? Directory index. Oui, non, forbidden. Ok, bon, ça c'est parce que je m'étais trompé à un moment. Et dans l'access.log, voilà. Et si je reviens ici et que je tente un create weathermap, il me dit quoi? Il me dit que je fais un get de tout ça et il me fait un 200 OK. Ça va m'aider beaucoup, ça va m'aider beaucoup. Bon. Alors je vais peut-être essayer sans le plugin dans ce cas-là. A priori, on peut créer un map file dans le répertoire conf.d. Et il y a des exemples. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est quoi ce truc ? Il y avait des exemples, quelque part. Ok. Ah, mais d'accord, c'est des exemples de... Oui. Ok. Donc là, a priori... remarque, je vais prendre le hostname. Oula. Alors... Un indice décommenté pour utiliser ce fichier pour déclarer une weather map. Alors si, je suis dans quel fichier là? Je suis dans hostname. Ouais. Ouais, moi aussi je pensais que ça allait se faire tout seul, Gizmo, l'espace d'un instant. Ceci étant dit, je pense que il y a peut-être... Enfin, faire la weather map à la main, à mon avis, là il me manque... Ah bah si, voilà. Le voilà. Ok. C'est juste le temps qu'il se régénère en fait. Donc maintenant que je suis ici dans l'éditeur... Je peux trouver comment rajouter un lien. Ouais, bah voilà. Et ensuite le deuxième, click node or link to edit these properties. Voilà. Il fallait que ça pôle exactement. Et donc je peux indiquer la bande. Ok, la bande passante. Ok, alors si je refais ajouter un link entre ici et là, voilà, et je refais ajouter un link entre ici, ah bah non, rien du tout en fait, puisque si je reprends mon schéma à la base, voilà, j'ai rien ici, donc il va falloir que je rajoute 4, 5, 6, hop. Donc, on rajoute le 4 ici. Node. Donc, le 4, je disais. Voilà. Avec un routeur. Hop. Submit. J'ajoute un node ici. Il faudra que je trouve le moyen de les mettre un peu tous bien comme il faut. Ah oui, remarque, je peux là. Ah oui, je peux. Alors, on va voir après. Hop, Voilà. Ah mais non, je passe ça. Je t'appelle routeur, hop, ISP5. Ensuite, on rajoute encore un node, ici. Voilà. Donc lui, ce sera celui-ci. Hop. Voilà. On submit. Et... alors, ce que je vais peut-être faire... 97, on va le bouger un petit peu sur la gauche, lui. Hein. On va le mettre à 50. Et on va le mettre à 300. Si je fais ça. Oui, c'est mieux. Et lui, ce que je peux peut-être faire, c'est le mettre à 200. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à ici 150. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux là. Je vais peut-être... non, je vais pas remonter parce que je vais vouloir rajouter des trucs ensuite. Donc lui, je l'avais mis à 50 et à 300. Lui, je l'ai mis à 200. Donc si lui... si j'ai mis 150 entre les deux, qu'il est 350. Et on va le laisser ici à 300. Ouais. 150... je vais le mettre à 150 plutôt. Voilà. Et lui, du coup, je le mets à 300. Non, il n'a pas l'air d'être... j'ai juste mis 100. Donc il faut que je mette plutôt 250. Voilà, pas 2500, 250. Hop là. Voilà. Et déjà, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Ça ressemble à quelque chose. Ah, je suis content. Donc là, il y aura à nouveau 200. Donc ce sera 350 et 150. Hop. 350, j'ai dit. Et 150. Submit. Hop, voilà, il est un peu plus près. Donc lui, il sera à 300. On va déjà le ramener à 500. Voilà. Et donc lui, 350, donc c'est 450. Voilà. Hop. Et ensuite... donc lui, il était à 150. Lui, je l'ai mis à 350, donc lui, il sera à 550. Et il sera à 150 de haut. Hop. Voilà. Donc là, normalement, si je reprends mon schéma... tac, ils sont à peu près comme ça. Bon, mon schéma n'est pas non plus ouf, mais ça y ressemble. Et maintenant, je vais pouvoir faire add link. Et globalement, je fais entre ici et là. Je refais un add link entre ici et là. Oups là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, je vais avoir un carré ici. Enfin, un carré, un parallélépipède. Donc... on rajoute ici. En fait, ici, il n'y en a pas entre ISP4 et ISP5. Hein. Je pense que j'ai fait une boulette. Oui, j'ai fait une boulette. Je pense que c'est parce que pour le moment, je ne les ai pas configurés. Hop. Voilà. Donc, il faut ensuite que je fasse add link entre ici et là. Et entre ici. Non. Add link entre ici et là. Voilà. Bah voyons voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on a quoi? Data source. Alors, de routeur 0 ISP1 à routeur 0 ISP3. J'ai utilisé l'interface qui est en 10.1.3.1. Donc si je reviens ici, bon lui, hop, on va revenir là. Devices. Si je prends mon routeur 0 ISP1. Hop. J'ai des ports. Et j'ai un port... ah bah ils sont tous nommés. Donc a priori, il faudrait que je prenne le ETH3. Donc si je suis ici, à ce niveau-là, data source. Non, c'est pas celui-ci que je veux. C'est le 10.1, voilà. Et je veux prendre le ISP1 vers ISP3. Hop. Et je submit. Et ensuite ici... Ah ah, oui, c'est le même. C'est le même, somme toute assez logique. Vu que c'est un lien. Donc ensuite de ISP1 à ISP2, je peux aussi aller le chercher ici. Je vais le chercher depuis ISP1 et c'est le ISP1 vers ISP2. Heureusement que j'ai mis les descriptions. Hein. Ça aide tout de suite à gérer sa weather map. Donc moralité, si vous montez un LibreNMS, au moment de le monter, quand vous mettez vos configurations dans vos équipements en SNMP, mettez quelque chose de compréhensible, quelque chose qui soit vraiment nommer les ports. Il faut vraiment les nommer. Exactement, Gizmo. Ce que je vais peut-être faire, tiens, c'est je vais me connecter sur... Tiens, je vais me connecter sur cette machine-là, puis je vais essayer de générer du trafic. Alors, elle est où? Workstation, hop. Parce qu'en fait, hein, on va pas se mentir, hein, mais c'est un lab, donc niveau trafic, entre guillemets, naturel, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai qu'il met un petit peu de temps, celui-là. Il est toujours en GNOME, il faudra que je le réinstalle. Le resolve.conf, bah oui, c'est le... Bah, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est 10.1.0.53. Comment ça? Operation not permitted? Je sais même plus si j'ai le sudo sur cette machine. Hop là, allez. Ok. Alors, de mémoire, il y a moyen d'aller jouer avec le i intervalle. Voilà. Alors, si déjà je commençais par... Hop. Mettre le nom correct. Ok, ça c'est bon. Allez, vas-y. Génère-moi du trafic. Alors, hop, comme ça on va pouvoir revenir ici. Et normalement, on va avoir du trafic qui va aller du firewall que j'ai pas encore installé vers routeur 0 ISP3, qui va aller vers routeur 0 ISP1, qui va ensuite aller au DNS. Donc celui-là... Je l'ai fait, et ensuite entre ISP2 et ISP4. Donc on va aller voir, tiens, du côté de ISP2. Hop. Voilà. ISP4, ISP6. On va aller regarder du côté de ISP4. Hop. Voilà. Lui, ce sera le 5. Et entre le 2 et le 5, le 2 et voilà. Parfait. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose. Mais pour le moment, à noter aussi que pour l'instant, le maximum de débit entre les deux liens, il est à 100 mégas. 100 mégas, 100 mégas dans les deux sens. Hein. À mon avis, pour le moment, ça doit pas envoyer du lourd. J'ai IFTOP là-dessus ou pas? Oh là. Oh, pauvre machine. Elle a un peu dramé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais rajouter un nœud. Et on va le mettre ici. Ce sera un firewall. Si je regarde dans mon schéma, il s'appelle... Non, pas ici. Il faudra que j'aille revoir directement dans, dans les devices. Puisque ce sera... Il me manque les... Voilà. Il me faut... C'est celui-ci, Firewall 0 Workstation. Alors, host. Alors, c'est un 10.A. Je lui avais mis quoi? 10.3.1.9. Ok. Voilà. Il est là. Voilà. Et on lui donne son vrai nom. Position, alors 50 on a dit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à 450. Submit. Voilà. Du coup, c'est légèrement... Et on va pouvoir faire add link entre lui et lui. Et ensuite, on va le chercher. On est sur ce routeur là. Et on va vers ça. Et je submit. Ok. Ici, si je rafraîchis, pour le moment, il se passe quoi ? D'accord, pour l'instant il a sauvegardé au moment où j'avais juste fait node. Hop. Si, ça a l'air de bouger un peu. New tab. Voilà. Alors, si je lance un iftop, est-ce que j'ai iftop au moins installé là-dessus, non ? Voilà, qui va régénérer du trafic. Bah, je suis pas sûr, effectivement, que mes pings rajoutent du méga par seconde. Donc c'est pour ça que j'installe iftop. Et je vais aller regarder si je génère du trafic. A priori... Alors, que les choses soient très claires, hein, j'en vois pas vers pool.ntp.org. Hein. C'est juste que mon DNS, il a pool.ntp.org comme hostname aussi. Justement pour empêcher les machines d'aller parler sur internet pour du NTP. A priori, j'ai pas grand chose. Effectivement, je suis même pas. Ouais, c'est ça, DNS menteur souverain. Exactement. Hop, voilà, je grossis un peu. D'ailleurs, je vais faire ça, ce sera peut-être mieux, ce sera plus sympa. Hop. Mais globalement, ça n'envoie pas des masses de trafic. Ce que je dois pouvoir faire... Alors, je serais tenté de vouloir utiliser... Ah, j'ai oublié le nom maintenant. Parce qu'il existe des outils pour aller bencher du trafic. Ben maintenant j'oublie le nom. Je vais aller rechercher ça parce que... C'est quand même dingue ça. C'était quoi le nom? J'avais un... Ah bah oui, iPerf, voilà. iPerf3. On va aller installer ça. Alors oui, je pourrais effectivement tenter ça. Je vais peut-être d'abord tenter plutôt iPerf. Non mais tu t'inquiètes Gizmo, hein, moi aussi j'ai mis un petit moment là, il a fallu que j'aille rechercher sur internet. iPerf3, un petit outil sympathique. Ah j'ai peut-être pas laissé les droits. Alors j'ai peut-être un indicateur Nils là-dessus. Non. Et ben on va y aller hop, en local. Hein. Il est où? Il est là. Hop. Donc. C'est peut-être pas très très gros. On va. Ouais, pourtant il est en scale display. Bon. C'est une Alpine Linux, donc j'utilise APK pour mettre à jour le repo. Est-ce que j'ai des mises à jour? Normalement, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps. Ah, il y en a quand même. Ah oui, j'ai pas fait sur toutes les machines, c'est vrai. Je me suis arrêté en plein milieu. Bon. APK add iPerf3. Ok. Je vais rebooter parce qu'il m'a mis à jour le noyau. Allez, petit serveur DNS. Ce qui serait marrant, c'est que j'arrive à dépasser les 100 mégabits par seconde. Ce serait très drôle, je pense. Alors. Voilà. Alors. De mémoire, on peut faire un serveur, moi avec le -S, et je peux le mettre en UDP. C'est très bien ça. Allez. iPerf 3 -S, -U. Non, il n'aime pas. -U, -S. Il n'aime pas non plus. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quand on a un -S... Ah, le -U, c'est uniquement pour les clients. D'accord, le -S, il écoute partout. Ok. Donc là, j'ai mon iPerf, mon serveur iPerf qui écoute. Je vais ensuite mettre... Sur... hop. Ah bah non, mais il faut que j'aille sur le... Oui, ça. Non, Website Workstation, c'est pas celui-là. C'est celui. Non, c'est pas celui-là. C'est lui. Non, je suis en train de les confondre. Voilà, c'est lui, ici. J'avais pas déjà un shell root ailleurs? Ah non, c'était pour le liftop. Allez. Je suis en train de me demander si j'ai installé le repo PEL. Ah bah j'ai installé le repo PEL. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, je peux faire un iPerf3. Alors, juste pour vérifier que ça fonctionne, -C 10.1.0.53. Et il me balance à un bitrate à... Alors là, je tape le gigabit par seconde. Très bien. Donc maintenant, on va vouloir mettre ça de façon un peu permanente. Parce que j'ai quand même fait un joli... Je me perds encore dans mes affaires. Alors, que nous dit la page de manuel? Est-ce que je peux lui dire, vas-y, tape en continu? Intervalle, non. Verbose, ouais, ok. Debug, non. Qu'est-ce qu'on a? On a Connect timeout. Non. Bitrate, non. Ah voilà, par défaut, il va mettre 10 secondes à faire du transmettre. Si je lui mets 0, il le fait en permanence ou pas? Il le précise pas. Alors si je tente un -t0 comme ça. Ah, il fait quelque chose. Il n'a pas l'air de s'arrêter pour le moment. Ok. Donc là, pour le moment, je tape un giga. Et là, si je regarde au niveau de mon if-top, bah ouais, je tape à 1 giga, hein, à peu près. Un petit peu moins, hein, je suis peut-être dans les voilà, 700, 800 mégas. Ouais, c'est ça, 800 mégas. Ok. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que par hasard, ça charge un peu l'hyperviseur? Donc, hop, et voyons voir ça. Ah, hop. Bon, alors on voit pas grand-chose à ce niveau-là. Hop, est-ce que j'ai installé iftop? Oui. Ah, mais ça c'est iftop, c'est pas... je voudrais htop. Hop là. Alors je sais que ça doit pourrir un peu au niveau du chat. Ça doit pas être très bien visible. Ouais. Si je fais ça et que, comme d'habitude, hop là, on le modifie un peu. Voilà. Là, globalement, l'hyperviseur, hein, il est à une charge de 8 et quelques au niveau CPU. Sur 24 processeurs. Ça travaille hein, ce soir. Ça travaille pas mal. Hein. Tous les CPU bossent. À divers degrés. Hein, certains sont à 10%, un peu moins. D'autres à 50, 60. Quelques-uns qui montent à plus de 80. Je suis content. Il commence à travailler vraiment pour de vrai, là, ce Home Lab. Bien. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va peut-être retourner sur ici. Et si ça se trouve, dans quelques minutes, on va peut-être commencer à avoir du trafic. Faut-il encore qu'il y ait la définition de la couleur quelque part, non? Bon, on verra. Ceci étant dit, si ça se trouve, si je regarde sur ce routeur-là... Ah, le overall trafic qui commence un peu à picoter. Voilà. Et si je vais regarder sur le port au niveau du ISP1 PubNet, ça doit être celui-ci. Hein. Donc là, j'ai du 39 mégas. Non. Donc ça c'est le port qui va vers le serveur DNS. Mais bon, comme il est toutes les 5 minutes, alors normalement je dois avoir un... Je dois avoir un truc si je vais dans... Alors... Est-ce que j'ai pas... J'avais pas un truc pour faire du live... Ah, à moins qu'il soit pas... Il faille installer un plugin. Y'a pas un truc pour faire du live Ok. Bon. Si. Ah. Mais pas sur le graphe. Ah. Alors. Où est-ce qu'il est le truc en, pour faire en... Non, c'est dans les ports, non? Clique sur l'interface. Sur l'interface, donc th1. Hop. Ah oui, real time, il est là. Voilà. Et actuellement... on dé... Ouais, on... Et là, il pôle toutes les 2 secondes. Voilà. Ah, ça travaille, hein. Il est à 1G, là. À peu près, même un peu plus. Et encore, je suis sympa, je l'ai laissé en TCP. Je pense qu'en UDP, il y a moyen qu'il tabasse encore un peu plus fort. Pendant ce temps, ma WeatherMap... Ah, ça y est, on commence à avoir des pourcentages. Ça, c'est intéressant. C'est chouette. Donc ici, là, c'est toujours 0 parce que je suis dans l'éditeur. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, revenons à mon schéma. J'ai un autre firewall qui est en dessous de ISP2. On va le rajouter. Ouais, 0.38%, c'est bizarre. Je suis assez d'accord aussi. Bah en fait, si ça se trouve... Ah, je vais peut-être le passer à 1G. Dans le... Je vais passer les... Je vais les passer à 1G. Voilà. On va voir ensuite ce que ça donne. Ah oui, parce que là, j'ai 0,58 dans ce sens-là. Et là, j'envoie 40. Et là, j'envoie 37. Ok. Faudra que je fasse les liens... Je peux peut-être faire un... voilà, exactement. Je vais tous les mettre en giga. Ceci étant, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il y a moyen de... Ouais, je pourrais regarder ça après peut-être. Je voudrais d'abord terminer de rajouter les machines. Non, c'est pas les... Hop. Voilà. Et donc je disais qu'on allait rajouter un firewall, add node, et qu'on va le mettre ici. Hop. Et c'est un firewall. Hop. Il est en quel IP lui? Il est en 10.2, 10.2.1.2. 10.2.1.2. Ah, à moins que je... Ah oui, je l'ai mis autrement. Je l'ai mis en 10.13.37 vu que le LibreNMS il est derrière. Logique. Et donc, son nom c'est... Son nom ce sera... mince. Je l'avais quelque part. Dans le LibreNMS. Je l'avais. Hop. Hop là. Ah, je l'ai dit. L'autre c'est Workstation. Ah non, c'est Website celui-là. Celui-là c'est Website. Voilà. Et ensuite, un lien. Hop, entre lui, qui est ISP2, et lui. Voilà. Hop. Et on va aller le chercher entre le firewall ISP2. Ici, vers le website. Voilà. Et on n'oublie pas de le configurer en gigabit Ethernet. Et donc je me demandais, est-ce que dans Libvirt, il y a moyen de configurer la vitesse d'un réseau? Détail. Virtual Networks. Si je prends par exemple, au hasard, le Workstation. Ouais, non, j'ai rien en définition. Je vais regarder ça 2 minutes. Je pense que ça peut être amusant. si on cherche KVM Libvirt limite network hop. Les virtaillots, elles prennent la vitesse de la carte physique. Ah. Sinon les Intel, c'est du 1G, oui. Oui, mais tant qu'à faire, si jamais je peux mettre genre une limite à 50 mégas, ça peut être marrant, non? Alors, on peut ajouter des paramètres à la main en XML. Ah mais c'est directement au niveau des VM? Ah non, c'est au niveau du network? Qualité de service, forward mode, NAT, dev... Ah! Ah oui, mais c'est uniquement pour les réseaux avec un mode forward. Ah non. Ah non, hors nomade à tout là. Donc c'est mon cas puisque mes réseaux sont isolés. Si je reviens ici, que je regarde mon réseau, j'ai pas de forward, je suis en réseau isolé. Je l'ai pas mis en private, hein. Non, j'ai pas de forward du tout. Ok. Donc je peux le mettre. Donc là par exemple... average... Ah oui, c'est tout en kilo-octets par seconde. Avec un burst. Average, peak and burst. C'est intéressant ça. Alors, hop, je vais le zoomer un peu. Donc il y a... Alors ça ne se... Ça, comment dire? Là on n'a pas d'option. Dans Libvirt, dans la console graphique. Par contre, au niveau du format XML, on peut rajouter... Hop, bah mince alors, je l'ai perdu. Ici, on peut rajouter des options de débit, de qualité de service. Je vais vous passer le lien. Moi, je vais me le mettre aussi hop, sur le chat. Parce que franchement, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Allez. On va retourner sur notre weather map. Eh ben voilà. Là, il y a du rouge maintenant. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un truc un peu en map properties, background image? C'est quoi? Cloud field, cloud line. Il n'y aurait pas un truc en background qui pourrait être un petit peu plus joli? Ouais, 89% de 1G, c'est pas mal. J'ai envie de dire c'est dans les chiffres. Hein. C'est ça. Alors, si je mets Cloudfi... Ah ouais, mais non, ça c'est les... Il n'y a pas de... Bon. Dommage. J'avoue, elle... c'est sympa. C'est sympa. Mais pour le moment, ce que ça veut dire aussi, c'est que pour le moment, bah, le reste de mon lab, en fait, au niveau trafic, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose du tout même. Et... Ah ouais, alors je suis pas en IPv6 Gizmo malheureusement, qui propose la weather map de Milky One. Ah, celle de Ivan est publique. Allez, on va aller jeter un oeil à la weather map de Ivan. Hop. Oh là oui, ça c'est de la weather map. Oui, je connais Clément. Alors. Ah, c'est un beau réseau, hein. C'est un beau réseau, hein. Alors, est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas de... Oui, la Terre entière connaît Clément. Bah, en même temps, Clément connaît tout le monde. En même temps, c'est quelqu'un d'appréciable. D'adorable, même. Ah, c'est une belle weather map qu'il a là. Hein. Très belle weather map. Ivan V8. Parce qu'on a là, on a Equinix PA6, Equinix PA2, PA7, Telehouse 2, 3, 1. Oh là là là, mais il y en a partout. Il y en a partout. Alors déjà, toute l'île de France, il a des équipements dans toute l'île de France. Que ce soit Interxion, Iliad, chez Equinix. Cive Lille, Ostelion. Ah si, elle est là, la petite légende. Et ben... Et on a celle de Scaleway aussi. Ah oui, pour un réseau associatif, oui, je suis assez d'accord. C'est assez fou, hein. C'est assez fou, hein. Alors j'essaie de regarder des fois qu'il y ait des liens avec un peu plus de débit, là, sur son truc. J'ai vu du 130 mégas. Ah, là, il y a du 400 mégas. mégas d'un côté. Non, là, il y a eu 40. Ah, il y a du 78 ici. Les gros liens chez lui, c'est du DJ. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils sont tous en bleu. Hein. Parce que si 400 mégas, c'est du bleu un peu clair, là, ça va, quoi. À mon avis, ce lien-là, s'il est bleu et qu'il est, hein, qu'il est à 400 mégas et qu'il est bleu et qu'il tire même pas dans le vert, hein, c'est que c'est du DJ. Hein. Allez, et donc celle de Scaleway est dispo aussi de manière publique. Oula. Alors, on a beaucoup de bleu, donc on reste dans les faibles... faible débit, enfin faible pourcentage, et a priori il y a quand même pas mal de vert, donc on a quand même pas mal de ouais, dans les entre 30 et 45%, on va dire. Alors est-ce que c'est du 100G chez Scaleway? Ah, bonne question. Il y a un petit disclaimer en dessous. Ah, ok. Donc ça, c'est les jours, ça c'est hier, d'accord. Les petits liens sont 10G, les plus grands, des grands sont à 100G, les très grands sont à plus de 100G. Toutes les données sont fournies. Et sont mises en... Ah ouais, pas... S'il vous plaît, ne requêtez pas toutes les secondes la weather map, ça sert à rien. Je vais le mettre... Hop, je vais le modifier, voilà. Voilà. Toutes les données sont fournies en mode best effort, et y a une mise en cache. Donc ça sert à rien de poler comme un goret. Ah, ils ont un sacré réseau. Hein. Encore, je pense que ça, c'est la weather map publique qui est juste, entre guillemets, à grosse maille. Ils doivent avoir des trucs peut-être un petit peu plus précis selon les, les data centers selon les backbones. Parce que mine de rien, on remarque qu'il y a déjà pas mal de trucs à Amsterdam. C'est chouette, hein, c'est des belles weather maps. Moi, pour l'instant, je fais un peu pitié sur mon home lab. Et on est monté à 92%. Out, 1 Go 32. Ah, je suis content, tiens. C'était une bonne idée de lancer un iPerf comme ça. Alors, il me manque encore des choses. Il me manque des liens ici. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais faire ajouter un node. On va le mettre là. Toi, t'es à 250 en position. Hop. 250. Ah, j'étais pas loin. Voilà. Il est à 150. 18. On va mettre 50. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir peut-être mettre, c'est... On va peut-être mettre ça. Hop. Voilà. Et on va lui donner un petit nom. Et on va l'appeler Marvin. Donc l'hyperviseur. Et ensuite, remarque, je suis en train de me dire, là, il est à 150, 150. Et lui, en bas, il est à 300. Ouais, donc il est un peu plus... Le truc, c'est que si je le mets à 1... Ouais, il est complètement... Ok. Ok. Si je le mets à 20, 25, 30, 40, voilà, 32, allez. Bon, ça va, j'ai compris, 35. Voilà, donc là à peu près on voit le nuage. On voit à peu près le nuage. Et maintenant, j'ajoute un lien entre Marvin et le routeur 0. Enfin, routeur 0, ISP1, host, lui, et outside, voilà. Et on va le mettre en giga aussi. Voilà. Et on va faire pareil, on rajoute un lien entre ici et là, puisque c'est ce qu'on a. Et c'est un lien encore en giga. Hop. On va aller chercher... le 10.4 et outside, voilà. Voilà, voilà. Bon, je sais que c'est un peu mal fichu pour le moment, mais disons que en une heure et demie, on commence à avoir un joli truc. Bon, il n'a pas encore pris en compte, mais... j'aimerais bien pouvoir ajouter ensuite les sous-réseaux qui sont là, mais je sais pas encore trop comment. Parce qu'à ce moment-là, c'est du point à point. Donc ouais, ouais. Alors, quand on fait un hover sur... Non, ah oui, d'accord. Ça, c'est cool. Et là, si je fais ça... hover graph URL. Host. Alors celui-là c'est lequel? Celui-là c'est le routeur 0 ISP5. Donc si je vais sur le 10.5, ouais non. Remarque, il y a carrément moyen de mettre directement le lien. Donc je pourrais mettre le lien vers le graphe global en fait. Faudra que j'aille les chercher les uns à la suite des autres. Lui, il en est où? Lui, il n'a pas encore rafraîchi. Si je vais prendre... alors, je vais peut-être Bon, ça, je vais l'arrêter, hein. Je vois bien que ça patate. Hein. Ça, finalement, ça fonctionnait pas des masses. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Et on va ouvrir chacun des routeurs. Tiens. Comment ça il m'a fait un down, lui? Non. Il y a une alerte. Il y a une alerte. Le CPU est à fond. 10.3.1.9. Pourquoi le CPU est à fond sur cette machine? Ah, non. Ah, c'est peut-être le polling. Je pense que c'est le polling qui a... Le polling toutes les 2 secondes. Qu'aurait pas aimé être... Amusant. Amusant. Bon, on verra après si ça se poursuit. Ah bah, visiblement non. Allez, 4, 5 et 6. Ah, zut, ils sont pas dans l'ordre. 4, voilà, par ici, 5. Voilà. Et 6. Donc, j'ai un graphe overall trafic. Voilà, c'est celui-là. Et c'est celui-là que je veux que tu m'affiches. Donc si je reviens ici et que je clique ici, et le over graph URL, je mets ça. Submit. Lui, il n'a rien. Normal. Ah, je vois des choses quand même. C'est amusant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il me met comme graphe, mais ok. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de... Il m'affiche quoi? Ok. On va essayer d'être sympa. Ici. Là, on va le couper un instant. Et je vais revenir vers la page de manuel. Et je voudrais voir s'il y a moyen de lui dire limite-moi le débit. Intervalle. Alors, bitrate, c'est très bien ça. Ok, TCP illimité. Et ben, par défaut, 1 mégabit par seconde. Donc on peut faire un moins B, et puis on va dire 50 mégas. Allez. Histoire de calmer un peu le jeu. Bon, après, la machine n'est pas... Elle est pas à genoux. Hop. Alors. On va revenir sur notre... Weather Map. Et normalement, dans quelques instants, on devrait se retrouver à un débit un peu moins élevé. Alors, au niveau processeur, oula, hop. Au niveau processeur, ça chauffe aussi, hein. Et au niveau mémoire, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Oh, je suis en train de penser à quelque chose. Je dois avoir dans le réseau ISP5. Ah bah ouais, j'ai les box ISP5 quelque chose. Hop. Alors, je suis sur la machine ISP5 box. Et la machine ISP5 box, elle est CL. Donc ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est je vais essayer de mettre aussi un iPerf et d'aller taper sur, sur le DNS aussi pour voir. Si je fais un iPerf3, donc on fait moins, moins T0, moins B, on va dire 10 MB. Vers en client et vers 10.1.0.53. Error. The server is busy running a test. Ah, je peux pas y aller. Ah oui, je peux pas. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. On va couper le serveur. Alors, là, je coupe le client. Là, je coupe le serveur. Spécifier le port, mais dans ce cas là alors ce que je vais peut-être vouloir faire, c'est que je vais vouloir me mettre un Tmux avec plusieurs fenêtres. Est-ce que j'ai un bon bah allez, je vais peut-être pas m'embêter en fait. Alors ne faites pas ce que je suis en train de faire à la maison, en tout cas pas en production. Je suis ce qu'on pourrait appeler un professionnel qui fait ça dans un environnement contrôlé. Voilà. Et depuis cette machine, non pas cette machine-là, depuis celle-là, on va se rajouter un nouvel onglet. Cet exercice est réalisé par un professionnel. C'est ça. C'est exactement ça. Ne faites pas ça chez vous, exactement. Non, vraiment, enfin, ne faites pas ça en production. Et ne faites pas ça avec une machine directement connectée sur Internet, vraiment. Après, le résultat, c'est... j'ai envie de dire, bah, allez voir les vidéos sur le botnet Mirai. Voilà le résultat que ça risque de donner. Si tu ne protèges pas ton accès route, tu risques de te faire pirater très fort. Ah, c'est pas mal ça comme, comme phrase. Ah, attends, c'est quoi la phrase déjà? C'est ne laisse pas tes doigts dans la porte, non? Alors, ah non, je veux pas regarder la... Alors, le lapin du métro parisien. Voilà, très bien. Comme ça au moins, Wikipédia. Voilà. Alors, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attention, ne mets pas un mot de passe, faible sur le SSH, tu risques de te faire hacker très fort. Ah, faudrait le détourner, avec les mots de passe faibles. Ce serait amusant. Alors, où en étais-je moi? Ouais, je me rouvre un nouvel onglet. SSH, on a dit route. 10.1.0.53. Voilà, je lance mon Tmux. Donc je peux faire un iperf3-s. Iperf3, pas iperf3. Iperf3-s, voilà. Et ensuite, là, sur ma workstation, je peux relancer mon petit iperf3 50 mégas. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, non, hop, CTRL B, voilà, iperf3, -help, je dois avoir genre un -p pour le port, -p, tout à fait. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un iperf3 -p, 5202, -s, hop, Et ensuite, de cette machine-là, je peux peut-être aller me connecter sur la 10.5.0.2. Permission denied. On va refaire la même, hein. On va refaire la même. Hein. Hop. Voilà. Alors, maintenant que je suis à nouveau sur ma machine, sur l'autre machine, tiens, juste par précaution, on va installer Tmux. Ouais, il y est déjà. Tmux. On va zoomer un peu. Et on va faire un iPerf3 -T0 -B, on a dit 10 meg. En client, alors avant le client, -P 5202. En client vers 10.1.0.53. Voilà. Donc là maintenant, il me fait un iPerf à 10 mégabits par seconde vers le DNS. Et on voit bien, hein, connexion depuis 10.5.0.2. Et il prend 10 mégasecondes. Donc normalement, on va avoir la WeatherMap qui devrait se mettre à jour au bout d'un moment. Je vais en profiter pour en rajouter une autre, qui est donc IP6, ISP6 box, qui doit avoir la même blague que ma machine là. Voilà. Étant donné que j'ai la flemme de créer un utilisateur, root est là, hop. Ça, c'est fait. Ah, non, j'ai pas regardé l'IP. Et l'IP 1602. J'aurais pu m'en douter. Alors. 10.6.0.2. Voilà. Je vais m'assurer que Tmux est installé. Ok, super. Donc là, je vais avoir un autre client. Il va falloir que je mette un autre serveur. Non, ça c'était l'autre client. Hop. Donc, on va pouvoir mettre 5203. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un... on va installer iPerf3 et hop, iPerf3. On va reprendre la même commande que ici. Voilà. Sauf que... ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... allez. On va lui mettre 25 MB. Et bien entendu, pas sur le même port. Et roulement de tambour. Erreur. Host in the reachable. 5203. Ah oui, parce que j'ai pas mis le... Voilà. Voilà, là on est mieux. Alors ça c'est le schéma, hop. Alors maintenant, roulement de tambour. Qu'est-ce que ça donne? Là, je me suis trompé de machine en plus pour me connecter à tout ça. Je voulais tout mettre ici, moi. Bon, c'est pas grave. Donc normalement, je dois avoir du trafic qui va aller vers... N'empêche, ce qui pourrait être amusant, étant donné que tout le trafic va vers la machine. Ah, routeur 0 ISP1, il m'affiche pas le... Parce que j'aurais aimé avoir voir le overall trafic, moi, sur le routeur ISP1. Bon, tu me diras, il est là. Hop. Alors... Est-ce que ça commence à... Ah si, ça y est, ça commence un peu à monter. En tout cas ici... Ah non, là maintenant on est à 2%. Ok. Oui, en même temps je l'ai mis à 50 mégas. C'est pas énorme, donc... mais c'est pas grave. Moi ce que j'aimerais c'est voir le reste se... Alors... Je suis en train de me dire que je peux... Alors, je dois avoir au niveau du 10.5. Ça doit monter un petit peu normalement. Hein. On va rafraîchir la page. Ah, on commence à voir des choses. On commence à voir des choses. Alors du coup, je peux pas utiliser la souris parce que sinon, il m'affiche. Mais si on voit un peu... On voit un petit peu là, ça commence à monter. Ça c'est chouette. Peut-être falloir que j'aille taper un petit peu plus fort si ça se trouve. Remarque, vu que je suis sur plusieurs... Oh, on peut peut-être faire ça, tiens. On va peut-être faire ça, on va peut-être taper un peu plus fort. On va aller donc sur l'autre machine ici. Et on va regarder... Alors oui, en plus, là, j'ai mon ping à la con, ok. Que j'ai laissé. Lui, on va le monter à 100 mégas. Oui, 25 mégas, finalement, c'est léger quand on est à 1 giga, oui, c'est léger. Donc là, je relance, mais à 100 mégas. Alors, hop. On va faire des paliers de 100 mégas, effectivement. Oh, ouais, 150, allez, 150. Hop. Et lui, on va faire pareil. On va le faire un palier à 150 aussi. Oh, on va peut-être mettre 250, allez. Donc, parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà, il y en a un qui est à 100 mégas, un qui est à 150 et un qui est à 250. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ma Weathermap? Manage Colors. Ah. Background Color. Ah mais j'ai rien. Non, je peux rien rajouter. Bizarre. Ça c'est pour gérer les images. Ah, voilà. Ça va te plaire, je pense, Gizmo. Tu te demandais s'il y avait les pourcentages et les débits. On peut mettre les débits. Donc, allez, on va l'activer. Donc ça, c'est le style HTML. OK. Classique. Compact. Si je fais compact, ça donne quoi? Ah oui, d'accord. Ça donne ça. Pourquoi pas. ça je vois pas la différence. Et c'était tout sur le style de la map. Bon, ça c'est les... Bon là, fatalement, j'ai pas de... Ah, j'ai que des choses... Hop là. Alors... Donc, pour le moment, ça s'est pas encore vraiment répercuté. Hein. Parce que là, j'ai 2,72, ça monte. Donc là, du coup, j'ai pas grand-chose. Hein, ça commence à monter, là. Là, fatalement, il n'y a rien. Normalement, avec ce routeur-là et ce routeur-là qui travaillent, on devrait avoir des choses qui vont arriver... Ah, voilà, ça commence. Mais c'est pas grand-chose, hein, finalement, 100 mégas. 150, ouais, c'est... Je pense que je vais en Lui, je vais le couper et on va se mettre à... Ah bah non, c'est le serveur. Attention. Allez, on va le mettre à 350. Ça donne quoi au niveau de l'hyperviseur? Au niveau de l'hyperviseur, ça travaille, l'autre 2.6. Il est toujours à 250. Attends, ça c'est les... Oui, ça c'est les serveurs. Et ça c'est... Alors, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Voilà. Parce que lui, il est à 100 mégas. Tiens, je vais peut-être le monter à 400, lui. Allez. Alors, je sais que je bouge un peu les trucs alors qu'on n'a pas encore vu le... Mais c'est justement pour essayer de visualiser des choses un petit peu plus... Ah! Donc là, on commence à avoir des chiffres. Et du coup, on commence à avoir du trafic qui vient par le routeur ISP2. Sur lequel on n'a pas... Enfin, en fait, derrière ce réseau-là, pour le moment, voilà, on voit. Hein, là, on est à 2 kg, 4 kg. C'est pas grand-chose. Donc en fait, c'est absolument pas le réseau ISP2 qui vient tambouriner sur le DNS. C'est juste que comme il fait passe-plat pour le réseau ISP5, pour aller vers le réseau ISP1, ben ça se répercute. Tiens, c'est marrant, il envoie 6 mégas 87 là. Je trouve que c'est un peu plus visible effectivement avec les débits directement plutôt que les pourcentages. Euh... 237 ? Non. Alors Gizmo peut-être effectivement puisque la playlist est là. Et là, pour le moment, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah, il n'y a que 15 titres. Donc effectivement, en 2 heures on l'a entendu un peu beaucoup. C'est une playlist que j'ai mise exprès... comment dire, exprès avec que des titres qui sont je vais pas dire totalement libres de droit, mais... Et du coup, il va peut-être falloir que j'en rajoute d'autres, effectivement. C'est le but, c'est le but. On est là pour être chill, Gizmo. J'avais remarqué un truc, d'ailleurs, dans la série La musique adoucit les mœurs. C'est que, par exemple... Je suis pas forcément un fan de jazz à la base. Sinon, je peux peut-être mettre l'OFI en fond. Je vois pas trop ce que c'est. Je vois pas trop ce que c'est. Mais ça doit pouvoir s'arranger à l'occasion. Peut-être même... l'OFI girl. Oh là. Alors... Voyons voir ça. Alors là, je tombe sur une vidéo YouTube. Je sais pas si c'est très... Je sais pas trop si j'ai le droit niveau droit de musique. Ah, use the music. Alors, je vais regarder ça, tiens, tout de suite. Hop là. Ah bah salut Nidouille. Alors, free to use, ça c'est cool. Comment est-ce que je peux utiliser méthode 1 pour Twitch et YouTube? Play the radio from YouTube, Spotify playlist. Et 2, créditer le channel dans votre live stream. Ok. Et la deuxième méthode uniquement pour Twitch, c'est utiliser Twitch Soundtrack. Alors justement, je ne vais pas utiliser Twitch Soundtrack parce que mes vidéos sont remises sur YouTube aussi. Mais effectivement, je peux peut-être utiliser au niveau de Spotify, tiens. Hop là. Alors, comment... crédité proprement. Music provided, listen. Ah, ok. Any song that is shared on the YouTube channels. This includes the regular uploads as well as the... Ah! Donc il vaut mieux que j'aille directement sur YouTube en fait. Ah, et je suis... Ah, par contre je suis limité. Je suis limité. YouTube, Twitch, Instagram et TikTok. Si par exemple je décide de mettre mes musiques, enfin pas mettre mes musiques, mais si par exemple je décide de mettre mes replays de stream, admettons sur Vimeo ou Dailymotion, ce qui pourrait être une idée, hein, a priori il faudrait que j'enlève la musique. Hop là. Et Nidouille, bah j'allais te demander comment ça va, et visiblement ça va tranquillement, même si les journées sont trop speed. Courage, j'ai envie de dire, j'ose espérer que ce n'est que passager. Alors, est-ce que on commence à voir un peu des... Oui, on a des couleurs. Génial, on a des couleurs. Ça c'est chouette. Ah, c'est marrant ça. Alors, si je reprends mes iPerf. Si je reprends mes iPerf. Là, je suis sur laquelle de machine? Je suis sur ISP6 box et j'envoie à 250 mégabits par seconde. Donc depuis ISP6. Ah, lui, pour le moment, il est qu'à... Alors, je vais dézoomer un instant. Ok, donc là, le truc, pourtant, il m'annonce passer les 200 megs. Alors, est-ce que c'est le bon... Est-ce que c'est le bon... 10.4.0.1, ISP4, ISP6, si, c'est bon. Allez, je rezoome. Hop là. Il y a un truc qui me manque, c'est que je vois pas le... Je vois pas bien le chiffre en fait. Parce que autant ici, là, sur la... Faudrait que j'écarte en fait ma Weathermap, faudrait que je la fasse plus large. Parce que les chiffres ont l'air de se... de se... comment dire, de se marcher dessus, non? Parce qu'en gros, j'ai un écart. Là, je suis à 50, 300. Je suis à 250. Je peux choisir où est-ce que je positionne le label. Et ben, ça doit pouvoir se faire. Ah, dans le map style. Alors, parce que là, j'avais le arrow style qui était classique. J'avais mis compact, mais le classique... hop. Node font, link label font, legend font. Il me dit pas forcément où est-ce que je place les... Position timestamp. Ah, il est là le timestamp, donc c'est pas ça. Position de la légende. Ah, ça, ça m'intéresse. Hop. On va la mettre ici. Oh là. Bouge. Position de la légende. Hop. Ah, voilà. Mieux. Hop. Ah oui, là on a le default link width. Bah, je vais peut-être le mettre à 10 alors. Default link bandwidth. Tiens, on va le mettre à 1 giga. Hop là. Pour les prochains, map size 800 par 600. Ok, submit. Est-ce que ce sera mieux comme ça ? Alors, entre temps, il est repassé sur l'autre style. Le fond de carte serait pas un peu petit? Potentiellement, ouais. Potentiellement, elle fait 800 par 600. Alors, effectivement, je vais peut-être la mettre en, peut-être la mettre en 720p par exemple. Si je fais un 1280 par 720. Hop. Là, je vais avoir un petit peu plus de taille, un petit peu plus de place. Donc, je peux mettre la légende ici. C'est déjà mieux. Ah, mais j'ai encore plus de place, en fait. Ok. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Marvin, comme dans le guide du voyageur galactique, et c'est le nom de l'hyperviseur qui est là. Et qui travaille ce soir, hein. Petite lotte de 8, là. Tout ce trafic réseau, ça le fait travailler. Où en étais-je? Ouais, je voulais écarter un peu du coup les routeurs les uns des autres. 150. Et là je suis à 50 de position. Alors du coup, ce que je peux faire, c'est que... Alors ça va être un peu moche pendant quelques instants. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on va mettre... entre... Alors lui il est à 50 du bord gauche et lui à 150. L'hyperviseur dépressif. On va le mettre à 100. Submit, donc il va bouger un peu. Lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 300. Voilà. Lui, on va le mettre à 500. Et le 6, on va le mettre à 700. Voilà. Et alors, lui il est à 100, j'ai dit. Et lui, il est à 300. Donc, lui, 300, 500. Bon, bah, du coup, lui, il est à 400. Submit. et l'autre il va être à 600. Voilà. Ensuite, lui, comme il est censé être à hop, 400. Hop. Et lui, on va le mettre à 100 aussi. C'est déjà un peu mieux là, comme ça, non? Enfin, c'est pas encore ouf côté... Alors lui, il était à combien? 400. Donc lui, je vais le mettre à 400 aussi. Voilà. Ah, j'ai peut-être raté un truc là. Parce qu'eux, ils ont l'air à peu près corrects, mais lui, il est... Je l'avais mis à 300. Je l'avais mis à 100. Ah, faut que je le mette à 200 alors. Parce que lui, là, il est à 400. Ah ouais. Donc là, il faut que je le mette à 200. C'est un petit peu plus serré, mais... Oh, on peut le laisser à 100, lui. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que ça va être un petit peu plus sympathique à voir? Ah, il a pas encore tout... Ouais, non, il y a encore trop peu de place. Enfin, ouais. Alors, on va le laisser... On va le passer à 900. Hop. Et je vais peut-être le mettre à 600. Juste dans un premier temps pour voir ça. Et lui, je vais le passer à 800. 800, j'ai dit. Hop, non, c'est pas top. 750. On va voir hein, le temps que ça repole. Je vais peut-être les descendre un peu. Je vais peut-être les descendre aussi. Parce que si ça se trouve, là, c'est... Ah non, remarque que j'ai les... J'ai à peu près les chiffres, là. Donc là, j'ai 400 mégas qui partent par là. Quoi, il y a 300... Il y a 300 quoi? Ah non, 300 kilos. Là, il y aurait 250 mégas. Là, il y aurait 350. Alors, ce qui m'étonne, c'est que là, j'ai presque 600 mégas qui partent. Mais j'en ai aussi 250 qui partent par là. Je trouve ça très étonnant. Alors. On va retourner voir ici. Parce que donc, ici je suis sur ISP6, 250. Là sur ISP5, 350. Et 400 sur la petite workstation. Hop. Donc, les 400 ici, ouais, ok. 350. Alors, j'ai un peu du mal à les retenir. ISP6 250 et ISP5 350. Donc ISP5 350, ok. Et ISP6 250, ça a l'air d'être ça. Par contre, il m'a pas encore... Faudrait qu'il bouge un peu par là, le... Je pense qu'il faut que je relance à la main le... Je reviens ici. Hop. Que je vérifie les interfaces des links. Ça peut être une bonne idée. Je voudrais juste m'assurer que le map polar... Voilà. Bim. Voilà. Alors. Là, on voit un peu mieux. Là, on voit déjà mieux, ouais. Là, c'est mieux. C'est pas... Donc, la proposition de Gizmo de vérifier les interfaces des links, c'est-à-dire... Ah, tu veux vérifier que j'aille vérifier sur les routeurs les interfaces en question? Alors, sur le 10.5.0.1, le 10.5, il est là. Il y a un overall trafic qui monte. Et donc, le 10.5.0.1, kilo... Là, il a 350 mégas. Ah, sur la WeatherMap, notamment sur ISP2. Alors, ISP2, on est là, les ports. Ah, quand je pose un lien... Ah, je me suis peut-être... Alors... ISP2. Oui, parce qu'on s'est dit, c'était bizarre sur celui-ci, entre ISP2 et ISP4. ISP2 et ISP4. Pick from LibreNMS. Alors, sur le 2, et ensuite ISP2 et ISP4. Voilà. Et je submit. Et ensuite... ensuite on va relancer ça pour poler en direct et je relance ça. Non, j'ai un truc, effectivement il y a 240 mégas qui entre ISP2 et ISP4 il y a 240 mégas qui passent là. Alors je trouve ça assez étonnant que ce soit dans ce sens là, c'est bizarre. Je l'aurais plutôt vu de... Ah. Alors là, la question que je me pose, c'est si jamais je viens ici, et qu'au lieu de faire... Il débug son résal en live, ça tourne mal. Je suis en train de me demander si je... Si je mets directement... Si je mets ce lien-là. Voilà, hop, on relance le polling. Ah ah, ah ah. Là c'est plus logique. Donc ça vient d'ici. Ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu... c'est des... Mais je suis assez... Bon, là, il y a 3 fois rien entre les deux. 350 plus 250 égale 600. C'est plus logique. Voilà, on est d'accord. On est complètement d'accord, Gizmo. Et surtout, en fait, on a bien le trafic sortant ici à 250, qui sort ici à 250, qui vient ici et qui, du coup, repart par là. Alors maintenant... ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut essayer de se rajouter un iPerf côté à ce niveau-là. Alors, on va s'installer iPerf déjà. Ensuite, on va retourner ici. On a normalement un endroit avec masse de iPerf, c'est ici. «52.04», c'est parti. Ensuite, on revient ici. Donc iPerf3, on a dit moins P... 52.04, sans limite de temps. Ensuite, on va être un client et on va le taper sur 10.1.0.53. Mais avant, je vais rajouter le débit et on va y aller à 250. Non, pas 250. On a ici 350 a priori, 250 là, on a 400 là. Je vais faire 450. Quoique, attends, ça risque de saturer. Je vais le mettre à 150 seulement. Ou à 200. Ou à 200, allez. Ça fera un peu plus. Et pour le moment... Je vois pas de bitrate, c'est bizarre ça. Oui, parce que j'ai pas mis de M. Donc ça envoie à rien du tout. Voilà, là ça devrait taper un peu plus fort. Voilà, mieux. Alors, on va aller refresh tout de suite la weather map. Voilà. Bon, pour l'instant il l'a pas encore... En même temps, il faut que le temps aussi que ça pôle. C'est aussi où faut aussi que ça pôle au niveau de LibreNMS. Et comme il pôle toutes les 5 minutes, il va falloir attendre 5 minutes que le débit monte ici, au niveau du firewall. Et normalement, on devrait rajouter ensuite 200 à ce niveau-là. Et un truc qui pourrait être assez marrant ensuite... Je pense, une fois qu'on aura bien mis ça en place, 5 minutes later. Je pense qu'une fois qu'on aura mis ça en place, ce qui pourrait être amusant, est-ce que je peux faire du trafic dans le sens ISP2 vers ISP4 Je suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit dans le réseau de ISP4 en fait. Non, j'ai rien dans le réseau ISP4. Donc là, il a un link hein, quelque part ici, mais j'ai pas mis de machine. Par contre, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'à un moment on pourrait pas envoyer du trafic soit depuis ISP3 ou depuis ISP2 vers ISP5 ou 6? Alors, bonsoir Link214FR, déjà bienvenue. Alors, bonsoir, si... Les analyseurs NetFlow, ah oui. Il y a assez peu de produits sur le marché, la grande majorité sont des produits commerciaux. Et oui. La plupart ont quand même des free trials limités dans le temps, mais c'est tellement puissant. Ah, ça, je suis au courant, effectivement. Je suis au courant qu'il n'y a pas vraiment de... Oui, je crois que NetFlow... oh, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais pour en revenir à Gizmo, oui, effectivement, il faudrait que je pop une machine. Il faudrait que je pop une machine ici. Ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire. Je voudrais d'abord voir le débit passer. J'aimerais bien voir ici le truc... Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, au-delà de ton idée qui est quand même super pertinente, Gizmo, ce que j'aimerais faire ensuite, c'est faire tomber le routeur ISP4. Et voir le trafic passer de ISP4 à ISP6, ISP5. Et voir du coup le trafic repartir de l'autre côté. Puisque normalement les 6 routeurs là ils sont en BGP. Mais d'abord j'aimerais bien que le débit monte là. C'est ça. Comme ça on verrait le reroutage BGP quasiment en direct. Ce serait assez amusant. que là, pour le moment, j'ai rien. C'est bizarre. Je vais vérifier effectivement le lien ici. Hop. Alors. Je vais le prendre ouais, depuis 10.13.37.1. Et... Ah, alors, ce serait laquelle? Il faudra que j'aille me vérifier. Alors, device 10.13.37.1. Sur les ports, hop. C'est lequel qui prend... $621 kilobits, non. Non plus, non plus. Bah il se passe rien là-dessus. C'est pas le bon. 10.13.37.1. C'est qui là? Bah si, 10.13.37.1, ça devait être 107 lui. Oh punaise! Oh punaise, alors. Il envoie au moins du trafic? Il envoie du trafic à 200 mégas. Est-ce qu'on n'aurait pas genre... Est-ce qu'on n'aurait pas un blocage du trafic? Est-ce qu'on n'aurait pas un blocage du trafic? Là est la question. Hop, alors, si je veux faire... Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un pftop? Tiens. TCP... 10.1.0.50. Non, elles sont established. Non, c'est established. Firewall, log files. Il n'est pas en train de... Alors, on va filtrer sur les actions en... Parce que là, il y a de l'UDP, mais ça m'embête. C'est pas de l'UDP que je fais, c'est du TCP. Pourtant, il laisse passer le trafic. A priori. 10.13.31.11, c'est la mienne, celle-là. Oula. Éditer les connexions. Alors, marche en DHCP, donc allez. Je me disais, je vais le faire en graphique, mais en fait, un bon vieux IP ADDR chaud. Qui me montre que je suis bien à la 10.13.31.11. Ok. Oui, on est d'accord, Link214FR. UDP port 53, c'est juste des requêtes DNS, tout à fait. Mais le pftop là me montre très clairement que il y a du TCP depuis ma machine vers le 5204 et il y a écrit established. Est-ce que par le plus grand des hasards, si je lui demande un shell, est-ce qu'il aurait un iftop? Oui, il y a un iftop. Et a priori, celle vers le one. Alors celle vers le LAN, c'est la VTNet 0, celle vers le WAN, c'est la VTNet 1. Donc ce que je peux d'ores et déjà faire, c'est revenir ici et lui dire de prendre la VTNet 1 pour la WeatherMap. Et je submit. Et une fois qu'on est là, je peux revenir... Alors je sais que je vais dans un peu toutes les directions là, mais on va réexpliquer ça. Hop. Parce que là, de toute façon, il continue d'envoyer. ça y a rien, hop. Donc if top, c'est quoi, c'est moins i ou moins, moins autre chose, moins i, tout à fait, if top moins i, on va faire vtnet 0 déjà. Donc déjà il prend bon, je vais faire un moins n. Tu me la refais. VTNet 0 c'était bien le LAN, ouais. Et je tentais le WAN, le VTNet 1 alors. « 10, 2, 1, 2, 10, 1, 0, 53. » Et il m'annonce un TX en pic à 204 mégas. Donc a priori, il envoie bien le trafic. Hop là. Ah. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Donc, il faut que je prenne, dans ce cas-là... Il est là le traf, mais juste pas dans le bon sens maintenant, ouais. Je vais essayer depuis le... Dans ce cas-là, depuis le routeur, qui est donc 10, 2, 1, 1, et qui va vers le website. Je submit, voilà. Ensuite, je vais rafraîchir mon truc moi-même. Voilà. Voilà, là il est dans le bon sens maintenant. Donc on a 200 mégas qui sortent, on a 350 mégas qui sortent ici, et on a 250 mégas qui sortent ici. Et du coup, ça passe par ici. Tout vient se faire cumuler sur le routeur 0 ISP2. Qui du coup, lui, il sort 800 mégas. Et si on fait les calculs, eh ben, on avait fait 350 et 250 qui font 600, plus 200, 800. Et donc le routeur ISP1, lui, il prend 800 d'un côté et il prend 400 de l'autre. Donc 800 mégabits par seconde sur un port et 400 mégabits par seconde sur un autre port. Le compte est bon, Jean-Pierre. Merci, Gizmo. Donc ça veut dire que quand même, là, il doit y avoir un autre port. Il y a le port qui va vers le DNS qui doit prendre méchamment. Et qui, du coup, prend un giga 2. Alors maintenant, c'est... Il est où, mon DNS? Il est là. On va faire un iftop-n parce que avoir pool.tp.org ça fait bizarre. Est-ce que j'ai iftop-n -i eth0. Voilà. Hop. Alors. Et là qu'est-ce qu'on a? On a 10.3.1.9, ouais, 10.5.0.2 normal, 10.6.0.2 normal et 10.2.1.2 normal. Et la machine. Hop. Voilà, la machine, on peut voir en bas, RX 1,15 Go. Voilà, 1,15 Go. Donc effectivement, ça pourrait être très amusant d'appliquer des règles de limite de débit sur les différents réseaux du Home Lab, virtuel. Qu'on pourrait faire avec Libvirt. Ça serait très 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 amusant, non? Si, avant, je voulais faire tomber le BGP. Effectivement. Quelle heure il est? Oh. Ça fait juste 2h30 que je suis en train de streamer, là. Alors, on fait le tomber le BGP? Je sais pas s'il va revenir après le BGP, mais... Allez, soyons fous. On va aller se connecter... Même pas se connecter. On va même pas se connecter. Donc, routeur 0 ISP4. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Si... Mais vous allez me croire sur parole si je vous dis que c'est routeur 0 ISP4. Hein. Allez. Je l'allume. Enfin, je l'allume. Là, j'ai la console locale. On voit bien qu'il y a écrit routeur 0 ISP4. Et je fais un force off. À mort le BGP, mais non. Allez, c'est parti. Force off. Et oui, je veux bien. On tire la prise du routeur. Pouf, on crée un incident. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, je vais peut-être aller regarder sur la machine ici. À mon avis, il y a dû y avoir du... Ah oui, oui, brutal. Non, alors non, je tombe pas l'interface. Je tombe pas l'interface. J'ai déjà eu des blagues avec ça. Ah, là je suis à 0. C'est lequel qui est à 0? Là, il ne reçoit plus rien. Alors, et ça se passe comment sur le... Hop. Oui, j'ai branché l'aspirateur à la place du routeur. Tout à fait, Nidouille. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors normalement, le routeur 4, là maintenant déjà, il doit être en rouge. Non, pas encore. Ah, il n'a pas encore été... En tout cas, LibreNMS l'a pas encore détecté. Mais à mon avis, si je vais regarder sur la machine ISP6, tiens, elle est où? Elle est là. Il tabasse toujours à 250 mégas. Et lui qui est là, on a quoi ici? 350. Là, on n'a rien. Là, on a 200. Donc là, si ça se trouve... Idle timeout for receiving data. Donc là, pour le moment, c'est encore en train de se... Normalement, c'est le 250 qui devrait... Et avec le polling de 5 minutes... Avec le polling toutes les 5 minutes, ça va pas aider. Il fait une OVH. Merde, le trafic ne bascule pas automatiquement. Ah oui, Facebook, effectivement, là je simule effectivement, je simule quelques incidents sur le réseau. Néanmoins, pour répondre à la question de Link214FR, les timers sur les pires BGP, j'ai dû laisser les trucs par défaut de iOS. Ah oui, là par contre, moi, à la différence de Facebook, en un instant, je rallume le routeur. Mais en même temps... En même temps, bon, heureusement que je peux rallumer le routeur. Non, ouais, je pense que c'est le... Il y a le LibreNMS qui... Attends, ça c'est le Marvin. Je suis perdu moi avec tous mes trucs là. Du coup, pour l'instant, je suis à 929 mégas maintenant sur le DNS. Alors, mince, le data center de backup brûle. Oh non, on va pas non plus attirer le mauvais œil. Enfin, je dis le mauvais œil, mais j'avais pas dit il y a quelques temps que j'étais pas superstitieux. Et on rigole, oui, Nidouille, on rigole. Il y a 15 jours, un des décès de Equinix a eu un incendie à Madrid. Ah, il a eu un coup de chaud? Il y a eu des records de température à Madrid? Ah non, c'était pas très sympa, c'était pas très gentil. N'empêche, ça doit être franchement, comment dire, un incendie en data center. Enfin, comment dire, même si c'est pas le drame qu'il y a eu chez OVH, je dois avouer que ça doit être difficile à vivre quand même. Donc j'ai quand même perdu un peu de trafic là. Hein. Il en est où mon... Parce que là il me dit listening 5203. Error. C'est le, bah, le ISP6 box en fait qui n'arrive plus à joindre, donc je vais le relancer. Hop. Ah ça y est, il est reparti. Donc à mon avis, il a dû s'arrêter parce qu'il avait plus rien en face. Hop là. Alors. Mais c'est bizarre, je vois toujours du... Donc on saura que les weather maps, c'est pas instantané déjà. Mais on s'en doutait un peu. BGP non plus, mais on s'en doutait un peu aussi. Et Link qui nous dit sur un décès construit il y a 20 ans, c'est pas la même qu'une salle qu'on vient de sortir de terre. Je suis assez d'accord. Les technos ont quand même pas mal évolué. Moi-même, je l'ai vu parce que, par exemple, sur des data centers dans lesquels j'intervenais, on va dire en 2007-2015, on va dire, par exemple, il n'y avait pas d'allée froide. Tu rentrais dans la salle serveur. Alors non seulement tu avais le boucan, mais tu avais le froid. Aujourd'hui, dans des data centers d'aujourd'hui, tu rentres, tu as des allées froides quasi systématiquement. Il y a des décès, c'est des porcheries, personne contrôle rien, il y a tout qui traîne partout. Ah. Et Nidouille qui nous dit que l'allée froide n'est pas forcément idéale. Ah, intéressant comme point de vue. Sur des constructions neuves, tout est cloisonné, double détection plus gaz. Eh ben. Alors j'avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre les pieds dans un data center genre le truc ultra récent qui a ouvert il y a moins de 3 mois et qui serait vraiment à l'état de l'art. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi une question de coût. Au moment où on décide de construire un data center, au moment où on décide des coûts, ben, on va peut-être pas vouloir mettre tous les trucs dernier cri. Il y a aussi des allées chaudes, nous dit Nidouille, à la place de l'allée froide. L'avantage, c'est qu'on profite de l'inertie de la salle entière sur la température. Ah, tu veux dire que d'habitude, c'est il fait chaud en salle machine, sauf dans les allées froides. Et là, c'est le contraire, c'est il fait froid dans toute la salle, sauf dans des allées chaudes. Et donc, en fait, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, enfin, ça veut dire qu'en fait, les machines seraient dans, entre guillemets à l'envers par rapport à ce à quoi je pense, c'est-à-dire qu'elles auraient la façade vers l'extérieur et là où ça souffle dans l'allée. J'ai du mal à voir. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais tu te retrouves quand même avec un endroit... Enfin, tu te retrouves avec beaucoup plus de volume à climatiser, du coup. Alors, est-ce que pendant ce temps, notre LibreNMS, hop, la WeatherMap, est-ce qu'elle s'est réveillée? L'avantage en cas de panne, tu profites de l'air global de la pièce. Ah, tu veux dire que comme il y a plus, comme il y a un volume de froid qui est plus grand, si jamais tu as une panne partielle, ça met plus de temps à se réchauffer. C'est ça, Nidouille? D'accord. Ah oui, vu sous cet angle, ça peut être intéressant. Après, la question que je me pose, c'est en termes de coût et en termes d'énergie, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est pas plus coûteux de climatiser donc une salle entière, à l'exception des du coup des hot corridors au lieu des cold corridors. Ah bon, déjà il a fini par trouver qu'il était HS. Tu n'as pas les chiffres. C'est pas grave, ça reste un concept intéressant. Effectivement, à voir avec les chiffres. Mais pendant ce temps... Alors, j'ai peut-être dû... ISP6, ISP4. 10.4.0.1. Ok. Port 17. Ok. Alors, c'est peut-être lui ici. Entre... Ouais, ah, 10.5. Port ID 29. 10.6, ISP5, ISP6. Hop. Submit. Hop. On va revenir sur le... Hop. Ah, je suis pas dans le bon sens. Mais j'ai un truc. Alors. Je pense qu'en fait, là, il est resté bloqué sur sa dernière valeur. Hein. Hmm. 10.6. Eh ben, je vais mettre 10.5 dans ce cas-là. 10.5. Et ISP5, ISP6. Submit. Hop. Et voilà. Alors, ce reroutage BGP. Bah écoute, je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions sur ce reroutage BGP. En plus, il devrait pas me mettre de... Alors, 250, oui, de ISP6, et il arrive à atteindre... Donc ça, en tout cas, le reroutage BGP, il a eu lieu. Hein. Il a pris un peu son temps, parce que j'ai laissé des valeurs par défaut. Mais... Ah voilà, là il commence à dire, et au fait, no valid data. Ah bah voilà. Donc là on voit qu'il a tout perdu, ici. Il a mis un petit moment à... Bon, pour le moment là je suis pas convaincu en termes de débit. Mais donc maintenant j'ai mon routeur là, le routeur ISP, ISP6, non ISP5 pardon, tiens d'ailleurs il a mal, hop. Hop, voilà, Donc là, on va revenir ici, on va refaire pareil. Donc il va chouiner aussi, voilà. Mieux. Alors. Donc là, on a 542 mégas. Avec les 200 ici. Je pense que là, la valeur, elle n'est pas encore tout à fait bonne. Et on se retrouve avec 750, 406. Donc on est à 1150. On a perdu 50 mégas dans l'histoire. Je pense que c'est ici, là. Je sais pas pourquoi, il lui manque 50 mégas. Et à ce moment-là, on aurait eu ici 600. Avec les 200 ici, on aurait à nouveau eu 800. Et si je vais voir du côté de mon DNS, bah, il est toujours à 1,14 Go. Donc ça marche plutôt pas mal. Ah bah voilà. Ça y est. 248. 600. Et 200 qui font 800. Et 400. On est à 1002. Voilà, on a retrouvé nos petits. Ça a mis un peu de temps, hein. Ça a mis un peu de temps. Je pense qu'entre les durées de polling... le temps que le BGP se remette de ses émotions. C'est assez chouette, hein, on aura fait des trucs assez forts ce soir, je trouve. Je suis content de m'être rappelé de ce iPerf parce que ça nous permet de générer comme ça vraiment du trafic à la demande au débit qu'on veut. Et ah non, 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 mais... Là, c'est juste un labo, c'est pas un peering Renater, non. Bon. Je vais rallumer le routeur ISP4. Je pense pas que ça va changer de grand-chose. Ah bah mince alors, qu'est-ce qui t'arrive Nidouille? Bon en tout cas bonne nuit à toi Nidouille. Hein. Trop de notifications de partage et de like. Ah ben c'est ça, hein, c'est la rançon de la gloire. Félicitations. Mais oui, effectivement, repose-toi dans ce cas-là. Alors... Ça y est, il a fini de... Donc, si jamais ça t'intéresse, Link214FR, la configuration BGP, elle est franchement pas très... comment dire... pas très poussée. C'est un sujet sur lequel j'aimerais un jour pouvoir, avancer, mais dans l'immédiat... Bon, ça va, c'est plutôt chouette dans ce cas-là, mais effectivement, quand il est un peu tard... Allez, bonne fin de soirée à toi, Nidouille. Nous, on va peut-être pas non plus trop tarder. Mais... Alors, donc ouais, la conf BGP, aujourd'hui, elle est pas ultra ouf. C'est juste, voilà... Des trucs de base. Hop, si je reforce le polling, pour le moment il n'y est pas. Si je reviens ici, normalement il est peut-être pas encore revenu. Ouais, non, il n'est pas encore revenu. Logique. Bon. On va pas non plus s'étendre dessus. Ah, bah si, ça y est, il est revenu. Il suffisait juste d'être patient. Bon, il a toujours des données non valides. Mais ça devrait pas tarder à revenir. Bon, en tout cas, ce fut super instructif ce soir, je trouve. Est-ce qu'on aurait moyen d'aller voir au niveau du hop, de la page d'accueil s'il y a moyen de lui dire édite le dashboard? Ouais. Alors, on va éditer le dashboard et on va ajouter en widget. Normalement, on doit avoir la WeatherMap en widget, non? Non? World Map? Non, non, c'est pas ça que je veux. Alors, j'ai quoi? Pas moyen de mettre la WeatherMap dans le... Je pensais qu'il y avait moyen de mettre la WeatherMap, moi. Alors, il y a une availability map. Ouais, oups, Gizmo. Il y a Streamlabs qui est passé et qui a trouvé que... RTFM, oui. Le bot est vénère, ouais. Faudrait vraiment que je lui dise de se calmer. J'essaierai de faire ça avant demain quand même. Enfin, avant le stream de demain. On va aller voir ça tout de suite. Parce que sinon je vais oublier. Alors, et pendant ce temps, Weather Map. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ah bah oui, au dashboard. Ah d'accord, faut... Ok. Il est indiqué qu'on peut créer... On peut... Ok. Donc en gros, je reviens ici. Là, j'ai ma imap.html. Je peux prendre ça. Et je dois pouvoir mettre une page. Qu'est-ce que j'ai fait de mon overview qui est là? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc j'ai l'URL. Go to your... Create a new dashboard, give it a name. Select the widget as external images. External images, voilà. Et widget title, et ben weather map. Ah oui, d'accord. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est faire mymap.png. PNG. Hop, et je save. Ça, je le supprime. Ok. Hop, et maintenant quand je reviens là, default, j'ai ma weather map. Et je clique dessus et hop, il l'ouvre. Ok, c'est cool. C'est très cool. Bon, elle est un peu moche, hein, ma weather map, mais elle a le mérite d'exister. C'est beau, oui. J'avoue. J'avoue, c'est très beau. Alors. Alors, tant que j'y suis... Hop là. Caps Protection. Auto Permit. Voilà, c'est bien ça. Save Settings. Donc en fait, dans 20 ans, ça vaudra des millions. Faut pas exagérer non plus, mais c'est gentil. Enfin, je le prends au premier degré. Si ça se trouve, c'était ironique, mais dans le doute, dans ce sens-là, à la limite, vaut peut-être mieux le prendre au premier degré. Ok. Donc voilà, il est revenu dans la Weather Map, il y a un petit peu de trafic, pas grand chose. Je pense que de toute façon, au niveau BGP, maintenant, c'est le routeur ISP2 qui... Un NFT dans le méta... Oh non, 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 quand même. Il est cassé le truc. Oh là là. Même lui, il est revenu. Ok, cool. Alors j'aurai peut-être pas forcément le temps d'aller popper une nouvelle machine genre dans ISP4 et de rebalancer du trafic, mais je pense que de toute façon on a vu le principal. On a vu le principal. Et je pense que ce sera bien de pas en rajouter. Parce que ça fait bientôt 3 heures, je pense que... Je ferai une partie 2. Là déjà, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il vaudra peut-être mieux au montage couper la vidéo en 2 parties pour YouTube. Je sais pas à quel moment exactement, mais... Allez, on va passer en mode hop, comme ça, full cam. Bon, en tout cas, c'était super cool. Merci Gizmo, en tout cas, pour l'idée du stream, de faire la Weather Map. Parce que ça a permis de maniper un peu sur le Home Lab, de faire des tests, de s'amuser un peu avec du trafic réseau, d'en générer et de voir le résultat. Alors c'est pas instantané, mais en tout cas c'est super cool. Et je suis vraiment content là. Je trouve que la soirée a été amusante, il y a eu des échanges en plus. Et ouais franchement, un bon stream. De bons échanges et ah là là, ah ça c'était chouette. J'aime bien me partir sur ce genre de sentiment d'être arrivé à quelque chose et ça. Ah ben moi je suis super content que tu aies regardé aussi. Est-ce que par hasard c'est un samedi soir? Non, et samedi soir il n'y a personne que je connais à raider. En même temps, on n'est pas non plus full. Bon, c'est pas grave. J'aurais regardé. Bon, si jamais vous avez découvert la chaîne ce soir, habituellement, je stream plutôt les jeudis et les dimanches. Les jeudis soirs de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Et ce stream était un peu un hors-série. Il y en aura peut-être d'autres à diverses occasions, mais sans garantie. Vous pouvez aussi retrouver les rediffusions de ces streams avec des délais plus ou moins variables sur ma chaîne YouTube. Le lien est normalement là-dessous. Et si jamais vous avez regardé la vidéo YouTube jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ou pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous ne pouvez pas suivre en direct. Moi en tout cas ça me fait toujours plaisir de voir que des gens s'abonnent et regardent les vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je pense que je vais aller me coucher. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous demain pour le stream du dimanche. On continuera la saga TP corrigé de TP de cours. Et j'espère que vous serez là nombreux et que ça vous intéressera. Voilà, allez, bonne fin de soirée et à bientôt. Salut!